du Forum international sur la prévention routière. La rencontre de deux jours s'est penchée sur le renforcement des capacités au plan national et au niveau local. Il a été question aussi de l'élaboration de programmes complets intégrés d'éducation et de formation visant à améliorer les comportements des usagers de la route. Les détails avec Mamadou Fane. La problématique de la sécurité routière passée au crible par les participants à ce forum international sur la prévention routière, un forum qui a formulé plusieurs recommandations. Mettre en place des infrastructures routières tenant compte des besoins de mobilité de tous les usagers. Proposer une offre de transport de masse adaptée aux besoins des usagers. Affirmer le rôle leader des agences de sécurité routière en matière de coordination des interventions des différentes parties prenantes en matière de sécurité routière. Mettre en place un système robuste de riposte post-accident. Envisager un audit de sécurité lors des travaux routiers afin de réduire autant que faire se peut la gêne sur la mobilité des usagers. La lutte contre l'insécurité routière est un travail de longue haleine. Les participants à ce forum appellent à une synergie d'action pour lutter efficacement contre les conséquences de l'insécurité routière. Les thèmes qui ont été abordés en atelier et en plénière reflètent les préoccupations majeures auxquelles nos pays sont confrontés. Les communications présentées par les experts de renommée internationale ont été attentivement suivies et ont nourri les débats qui se sont déroulés dans un climat empreint de sincérité, de franchise et de courtoisie. Plusieurs distinctions ont été remises aux personnes qui se sont fortement impliquées dans la réussite de ce forum. Le ministre a salué la contribution des experts venus des pays amis.